Bonjour et bonsoir mes chers compatriotes guinéens, votre frère ami Souleymane Kondé. Ce jeudi 28 juillet 2022, il est 17h, heure de Boston. J'ai décidé de faire cette vidéo avec la caméra de mon téléphone parce que à chaque fois que je fais des lives, il y a des Guinéens dans des pays qui ne m'entendent pas parce que Facebook a mis des restrictions sur ma page. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo avec la caméra de mon téléphone pour voir si je peux le faire et télécharger pour que tout le monde m'entende ce que j'ai à dire aujourd'hui. À deux ministres du gouvernement de la transition, Gawal Diallo et Mori Kondé, et m'adresser aussi à leur patron, Colonel Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, en quittant le travail, j'ai écouté Espace Expression avec Diba Milimono, où ils avaient comme invité le ministre Gawal Diallo, où Gawal parlait la nécessité pour les gens de se concentrer sur le contenu de la transition au lieu de la durée. Et ces propos m'ont irrité, mais quand je suis arrivé à la maison, sur le site de Djeli, je crois le Djeli.com ou .org, je ne sais pas, mais sur le site Djeli, qui a partagé une publication du ministre de l'administration du territoire, nom de Mori Kondé, qui a dit aussi la même chose pour dire que concernant la sortie de Ambalo sur la transition guinéenne et burkinabé et malienne, quand l'Ambalo a dit qu'avec la Guinée, ils se sont entendus, qu'ils ont dit à la Guinée qu'ils ne peuvent pas aller au-delà de 24 mois, qu'il y a, au moins une entente là-dessus. Mori écrit sur sa page Facebook, que j'ai vu sur le site le Djeli, lors de la visite de la CDAO en Guinée, les deux parties ont porté leur discussion sur le contenu de la transition et non sur une durée. Le gouvernement de Guinée se désolidarise complètement de cette question de durée. Mori Kondé, MATD. Quand j'ai vu pour Mori Kondé là aussi, ça m'a rappelé l'interview de Gawal qui m'a irrité. D'abord, ce que j'aimerais dire à Mori Kondé et à Gawal, je comprends votre position. Vous avez été parachuté comme ministre et vous pensez que cette transition ira au-delà de 24 mois. Je vous ai déjà lancé ce défi. À vous tous, vous les membres du gouvernement, votre transition n'ira pas au-delà de 24 mois. CDAO pas, CDAO bas. Union africaine pas, Union africaine bas, ça n'ira pas. Vous allez dire que je vous ai dit. Vous savez, quand je vois surtout Ousmane Gawal Diallo, pourquoi Ousmane Gawal Diallo, moi, je vous ai toujours dit que sa position et ses propos ne m'étonnent pas trop. Parce que c'est quelqu'un que j'ai étudié en prison. C'est quelqu'un déjà qui a changé de position depuis la prison. Quelqu'un déjà qui, quand je l'ai vu en prison, je l'ai étudié. Quand on a discuté quelques rares fois et quelquefois, on ne s'entendait pas dans les discussions. J'ai compris déjà sa mentalité. Gawal est capable de tout. Donc, il pense que, quand je vois Gawal parler, est-ce que Gawal peut être mieux un bon communicant que Thibaut Camara? Est-ce que Gawal peut manipuler politiquement que Amadou Damaro Camara aujourd'hui, qui est en prison? Donc, quand je vois tous ces gens-là qui ont fait ce qu'ils voulaient faire, ce qu'il fallait faire pour l'ex-président Alpha Condé, mais dans le mensonge, dans la fausseté. Aujourd'hui, Thibaut qui se retrouve dans sa concession en Guinée, passeport confisqué. Damaro qui se retrouve en prison, je me dis que Gawal peut-être méritera un sort plus grave que ces gens-là. Parce que quand je le vois défendre le mensonge, quand je le vois, il essaie de parler comme s'il est un grand politicien, comme s'il est en train de défendre la réalité. Pourtant, ils ne font rien là-bas que s'enrichir. Tout à l'heure, je vais donner des explications. Et je m'adresserai au colonel Doumbouya, et c'est Doumbouya même. Je m'adresserai à Doumbouya, ils sont petits dans ça. Et quant à Mori Kondé, c'est normal parce que
Si ce n'est pas un gouvernement de transition comme ça, et comment Omori va avoir une place? C'est pour cela qu'il faut qu'il défende, il raconte n'importe quoi. Mais il pense que même l'administration du territoire qui gère là, il n'a ni les compétences techniques, ni la personnalité politique ou les compétences politiques pour gérer ce département. C'est pour cela qu'il a tout un problème d'avoir un dialogue. Il a tout un problème de pouvoir mettre un vrai dialogue en place, de pouvoir rassurer les hommes politiques. Les hommes politiques qui rassurent là, c'est les hommes politiques qui n'ont pas d'espoir en Guinée, qui pensent qu'on doit avoir le pouvoir par effraction et que cette junte peut leur donner le pouvoir. Ce sont ces hommes politiques qui croient à Mori Kondé. Sinon, Mori Kondé, les vrais hommes politiques ne peuvent pas s'arrêter devant Mori Kondé. Et qu'est-ce qu'il va te dire? Ce ministère est un grand ministère. Il faut vraiment avoir un poids politique, une personnalité pour pouvoir gérer ce ministère. Donc, ce n'est pas trop étonnant que quand il s'aventure sur des sujets comme si... C'est-à-dire qu'ils me font rire comme si c'est eux qui ont créé la Guinée. Vous savez pourquoi j'ai dit que le président Mamadi Doumbouya ne fera pas 24 mois de transition? Et j'y crois à ça. Parce que moi, avec humilité, je suis un grand croyant dans ces choses-là. Sans arrogance. Doumbouya déjà, j'ai toujours dit, d'abord, les militants de RPG Arc-en-Ciel, je ne regrette pas Alpha. Dieu seul sait que je ne le regrette pas et je ne le regretterai jamais. Parce que c'est grâce à lui aujourd'hui, c'est à cause de lui aujourd'hui, qu'on a des Guinéens amateurs à la tête de la Guinée, qu'on a des Guinéens qui ne devraient même pas gérer un quartier qui se retrouve aujourd'hui à la tête de l'État. Donc je ne regrette pas Alpha. Quel que soit le mauvais comportement de Doumbouya et ses hommes, je ne regrette pas Alpha. Ça, c'est même pas à discuter. Moi, je ne retourne pas en arrière. Hein. Quand j'avance, j'avance. Parce que dans ce pays, c'est très facile de dire aux gens, ah, tu travailles pour cet tel opposant. Moi, on m'a tellement qualifié dans le combat contre le troisième mandat. D'abord, on a dit que je travaillais pour Lansana Kouyaté. Et après, on a dit que je travaillais pour Selou Daleng. Après, pour Sidia. Après, d'autres ont dit que c'est pour Jonas Sekouba Konaté. Des autres à Paris, que c'est lui qui me truque. J'ai écouté tout ça. Pourquoi je n'ai toujours pas... Je ne suis pas découragé. Je n'ai pas baissé les bras. Parce que je sais ce que je fais. C'est mon argent que je prends. C'est mon argent que je prenais pour mener le combat contre le troisième mandat. Mon salaire. Aucun leader politique guinéen ne m'a donné un franc pour m'aider contre le troisième mandat. Aucun grand homme guinéen, des anciens présidents ou anciens ministres ou anciens hauts cadres ne m'a donné 1000 francs. C'est mon argent, mon salaire américain que j'ai pris pour faire le combat contre le troisième mandat. Contre la mauvaise gouvernance, contre l'ethnocentrisme. Parce que moi, mon combat se résumait sur les quatre volets. Troisième mandat, l'ethnocentrisme, la mauvaise gouvernance et le détournement des données publiques. C'était ça mon combat depuis le 16 mai 2016 jusqu'à ce que je suis allé en prison, jusqu'à ce que je suis là. Donc je ne regrette pas Alpha, je ne le regretterai jamais. Et pour dire que non, même si Doumbouya fait pire qu'Alpha, je ne regretterai pas Alpha. Bref, c'était une mise au point. Maintenant, pourquoi Doumbouya n'ira pas au-delà de 24 mois? Parce que Doumbouya a commencé cette transition avec la trahison. Jusqu'à là où il est, là, il ne fait que trahir. Oui, votre patron. Et Dieu seul sait que quand tu trahis, surtout, ceux que tu as trahis, c'est les gens qui ont investi tout et qui ont mis leur vie en danger. Tu ne t'en sortiras pas. Jamais. Tous les hommes des forces spéciales qui ont fait le coup d'État, qui sont allés arrêter Alpha, Doumbouya n'était pas là-bas. Quand ils ont arrêté Alpha, ils ont appelé Doumbouya. On a arrêté le président. Doumbouya a dit non, envoyez-moi la vidéo. Ils ont fait la vidéo, ils ont envoyé à Doumbouya. Doumbouya a vu la vidéo, il est venu prendre Alpha, l'amener à l'hôtel Kalou. Maintenant, tous ces hommes-là, d'autres sont en prison, d'autres sont chassés. C'est des nouveaux hommes qui sont entrés des forces spéciales. Même si ces jeunes ne maudissent pas Doumbouya, à chaque fois, ils disent à Dieu, comme on dit en malinke, Mbranta de Alaman, Mbarangbe so Alayira, Doumbouya ne finira jamais cette transition. Quelqu'un aussi va le trahir. Deux, je n'ai Namori qui l'a trahi. Namori qui l'a laissé la porte aller faire le coup d'État. Il a trahi Namori. Donc, il y a tout un tas, il y a d'autres aussi dont je ne dirai pas. Je m'attarde sur les deux dont tout le monde connaît.
il ne s'en sortira pas. Donc, continuez à faire vos ailes. Continuez à truquer. Vous savez, aujourd'hui, Alpha qui a eu confiance en Doumbouya, qui l'a armé, c'est Doumbouya qui l'a trahi, non? Aujourd'hui, les hommes qui ont l'arme aux côtés de Doumbouya, à qui on a confiance, c'est eux qui vont trahir Doumbouya. C'est comme ça. C'est la loi de la jungle. C'est la loi de Dieu. Excusez-moi, pas la loi de la jungle, mais c'est la loi de Dieu. C'est comme ça. Donc, c'est pour cela que j'ai la certitude. Parce que je sais que je vais mourir. C'est pour cela que je ne mens pas, je ne triche pas, je ne fais pas du mal. Et je sais que quand je trahis, je serai trahi aussi. C'est pour cela que je dis, Doumbouya n'ira pas au-delà de 24 mois. Et il y a plein de raisons dont je ne vous traiterai pas dans cette vidéo. Mais juste les deux raisons pour que vous chassiez que... Et en même temps, il dit que les forces spéciales, les Alias ont volé de l'argent. On les a amenés en prison pour ça. Mais l'argent qui a été trouvé chez Alpha, c'est plus de 30 millions de dollars et de l'or et tout. Il y a un montant que Doumbouya a pris. Il a donné à quelqu'un qui est un gendarme. Ils ont amené en Suisse. Je suis au courant de ça depuis le jour où ils ont pris l'avion pour aller déposer l'argent en Suisse. Et quand ils sont revenus, j'étais au courant. Je ne parlais pas de ça. Mais je vous dis tout ça pour vous dire que vous ne pouvez pas combattre contre la corruption. Vous ne pouvez pas. Parce que vous-même, vous êtes corrompu jusqu'aux os. Vous trompez tout le monde. Je fais cette vidéo parce que j'en ai marre. J'en ai marre de vos propos. Je voulais pas dire ces choses-là en vidéo. Mais il faut que les Guinéens chassent qui vous êtes réellement. Les hommes qui sont aux côtés de Doumbouya aujourd'hui, militaires comme civils, vous êtes en train de vous enrichir comme ceux que les gens de Alpha ont fait. Vous les mettez en prison aujourd'hui. Vous prenez leur passeport aujourd'hui. Oui, parce que vous avez des armes. Mais la plupart des proches de Doumbouya aujourd'hui, civils comme militaires, d'autres ont acheté des maisons à Abidjan, d'autres ont acheté des maisons à Dakar, comme ce que les gens de Alpha ont fait. Donc, rien... Vous savez, j'ai dit souvent aux gens, moi, je suis l'architecte de ma vie. J'ai 42 ans, l'architecte de ma vie. Ma mère a appliqué les documents américains pour moi, je suis arrivé aux États-Unis. Mais avant que je vienne aux États-Unis, je sais ce que j'ai fait en Guinée pour arriver à un niveau. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, je sais ce que j'ai fait pour arriver à ce niveau. Je n'ai pas besoin de détails. Mais je suis l'architecte de ma vie. Et ce qui fait que je ne choue jamais, ce qui fait que je n'ai jamais de problème, je ne triche pas. Je ne suis pas parfait. Je ne mens pas. Je ne fais pas du mal à quelqu'un. Mais quand tu me fais du mal, je te reprocherai sur place. Quand je suis fâché contre toi, je te remontrerai que je suis fâché contre toi. Je n'ai pas le temps de la démagogie et je n'ai pas le temps des rancunes. Je ne sais pas tourner autour du pot. C'est pour ça que les gens me disent de ne pas faire de la politique, que je suis trop honnête pour la politique. Je suis en politique pour qu'on sache que la politique n'est pas synonyme de mensonge. La politique n'est pas synonyme de malhonnêteté. La politique n'est pas synonyme de tromperie. Parce que ce qu'on a enseigné aux Guinéens ces 10-15 dernières années. Je suis en politique pour ça. Si j'étais ambitieux, si je voulais la facilité, d'abord j'allais aller au gouvernement de Alpha Condé, même pas être ministre, même un simple directeur pour m'enrichir. Si j'étais ambitieux, je voulais la facilité pour m'enrichir, j'allais à cette transition, parce qu'il y a au moins trois personnalités de cette transition qui m'ont appelé, avec lesquelles on a communiqué. Ils voulaient payer mon billet pour que je rentre en Guinée. Je n'ai jamais accepté, parce que j'avais toujours une mauvaise impression de Doumbouya et de ses hommes. Je le dis à cœur ouvert, hein. Quand j'ai une mauvaise impression, je prends mes distances. Je préfère vivre du minimum, mais vivre dans l'honneur et dans la dignité. Je ne veux pas être milliardaire et qu'on dise à mes garçons, toi et ton père était un voleur. Qu'on dise à mes garçons, toi et ton père était un malhonnête. Je préfère vivre dans deux chambres salon avec mes enfants. Je les éduque avec des vertus et des valeurs. Qu'on dise, ton père va en prison. Parce qu'il est soupçonné de détournement des deniers publics. Moi, je suis un homme d'honneur. Et je ne recule pas. Quand j'avance, j'avance. Et je n'ai pas peur. C'est pour cela que les malhonnêtes ne peuvent jamais m'atteindre. Tu ne peux pas. Comment tu vas m'atteindre? Donc, toi, Doumbouya et tes hommes, vous voulez combattre contre la corruption. Vous êtes corrompus jusqu'aux os. Donc, Dieu vous regarde. C'est les Guinéens que vous trompez. Mais les Guinéens ne savent pas, c'est des êtres humains.
mais Dieu vous fera échouer parce que vous n'êtes pas sincère. C'est pour ça que je dis dans mes vidéos, quand je suis passé sur sur Film FM, que vous n'êtes ni transparent, ni impartial, ni des hommes impartiaux dans cette affaire. Je ne voulais pas détailler. Maintenant, je commence à détailler. Je connais tout l'entourage de Doumbouya, ceux qui s'enrichissent de façon illicite. Je ne vais pas dire leur nom, mais on a commencé. Je commence par Doumbouya d'abord. Après, je descendrai un à un. Donc, sachez que les Guinéens vous regardent. C'est pour cela aujourd'hui que la CRIEF n'est plus crédible. La CRIEF, j'aurais souhaité qu'elle fasse un bon travail. J'aurais souhaité qu'elle soit l'une des cours les plus performantes de la Guinée. Mais malheureusement, le comportement et les procédures et les manières utilisées par la CRIEF a décrédibilisé cette CRIEF. Vous ne voulez pas quitter le pouvoir. Ce qui me fait rire dans cette affaire, Doumbouya parle comme s'il est descendu du ciel. Comme s'il est venu, c'est-à-dire il est né hier, il est un saint qui est venu. Mais Doumbouya qui était un garde-corps de Alpha Condé hier, un garde-corps de général Namori, l'ex-chef d'état-major des armées, un garde-corps de Diané, si je peux me le permettre. Mais il a un passé dans ce pays qu'on connaît, qui n'est pas un passé glorieux. Comment lui peut venir qui veut refonder une nation et qui veut mettre cette nation sur les rails? Ce n'est pas possible. Quand vous voulez mener un combat, vous vous rassurez que vous-même, vous êtes propre. Moi, Souleymane Kone qui vous parle, je peux mener un combat contre la corruption. J'ai été fonctionnaire, j'ai été recruté lauréat en 2004-2005 à la fonction publique. Ça ne m'a jamais intéressé. J'ai continué à travailler dans le secteur privé. Le jour où j'ai eu mon premier salaire, j'ai ma lettre ici. Je vais faire la photocopie, je mets sur les réseaux sociaux. J'ai demandé au directeur national du budget à l'époque. Je viens de recevoir mon premier salaire. Je ne veux pas continuer à toucher l'argent public sans en contrepartie travailler. J'ai la lettre ici. Je peux prendre les photos et j'ai envoyé à plein d'amis sur mes messages. Je mets sur Facebook. La date est dedans. On ne m'a jamais répondu. Et j'ai abandonné, j'ai continué dans le secteur privé puis je suis venu aux États-Unis. Et ça, c'est 2004, 2005, 2006. Ils avaient fait déjà 2 ans, ils prenaient mon salaire. Le responsable de ressources humaines du ministère du budget à l'époque. J'étais lauréat à la fonction publique. Je n'ai pas fait de concours, je n'ai pas cherché de fonctionnaire. On m'a recruté par mes performances scolaires. C'est pour vous dire que moi, si j'étais malhonnête, j'allais m'enrichir il y a longtemps. Mais ça ne m'intéresse pas. La vie ne se résume pas à ça. Alpha et ses hommes, ils ont tout eu dans la vie. Ils sont où aujourd'hui? Dans la honte, dans le déshonneur. Je ne veux pas de ça dans ma vie, moi. Je ne veux pas de ça. Je suis habitué à vivre avec le minimum. Même quand je mange chez moi ici, je ne mets pas l'assiette pleine. Je mets des poignées de riz dans l'assiette. Parce que je me contente toujours de peu. Ça, c'est mes vertus, ça, c'est mes valeurs. Et ce qui fait que mes amis qui ont les moyens, mes amis qui ont des grands moyens, je ne les envie pas, ça ne m'intéresse pas. Donc, Doumbouya ne peut pas. Je vous le dis, chers compatriotes guinéens, vous m'écoutez pas, Doumbouya ne peut pas. Parce qu'il n'est ni sincère, ni honnête. Et lui et tout son entourage, je le mets au défi. Tout le monde, je les mets tous au défi. Donc, vous venez, vous voulez salir les gens, vous voulez faire des règlements de compte, vous êtes en train de vous enrichir. Vous croyez que Dieu va vous aider? Dieu vous fera honnir comme il a fait honnir Alpha et ses hommes. Dieu vous fera envoyer en prison comme il a envoyé Alpha et ses hommes en prison. Parce que tout simplement, vous faites de l'injustice aux gens. Ça, c'était la première partie de la vidéo. Comme je suis en train de faire avec mon téléphone, je vais arrêter comme ça. Et ça fait 19 minutes. La prochaine vidéo, je viendrai avec des détails. Donc, ce que vous pouvez faire dans ce pays, et je vous ai dit depuis au départ, dans ma vidéo que j'avais faite en octobre, 3 semaines après le coup d'État, j'ai dit, les gens vont aller vous voir, que ce loup d'un est comme ça, Sidi est vieux, il faut les éliminer. Moi, vous savez, moi, les anciens leaders politiques, je les respecte, mais il ne m'intéresse pas. Mais on leur doit du respect, le minimum. On leur doit, parce que c'est des êtres humains, parce que c'est des Guinéens. Quelles que soient les fautes qu'ils ont commises, ils se sont battus pour des valeurs aussi dans ce pays. On doit pouvoir respecter ça.
mais vous voulez tout. Mais je sais qu'il y aura une deuxième transition en Guinée. La deuxième transition viendra. Je ne sais pas quand, mais il y aura une deuxième transition. Et ce que j'ai à vous le dire. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. Continuez à vous bomber la poitrine. Continuez à faire comme si c'est vous qui avez créé la Guinée. Vous serez surpris. Vous serez plus déçus, plus choqués que Kassori, que Damaro, que Alpha Condé. Je vous remercie.